Je fais des films pour en savoir plus sur les personnages. Quand on fait des films, c'est un processus tellement profond, long. Parce que là, par exemple, on a travaillé 2 ans de suite d'arrache-pied. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous oblige à plonger en vous-même, à réfléchir beaucoup. Et évidemment, d'essayer de comprendre le mal, c'est une tentation que tout le monde a et c'est une question philosophique très importante. Mais il s'est trouvé que, en essayant de comprendre un ami de 40 ans, j'ai découvert qu'en fait, il était une forme d'incarnation du bien. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans le bien. Ma relation avec la peinture a commencé très tôt, parce que je suis venu de Genève à Paris avec ma mère, qui avait décidé que pour moi et pour ma sœur plus jeune que moi, il fallait absolument faire des études en France. C'était son idée fixe. Et alors, très courageuse, elle est partie avec nous. Évidemment, elle venait de divorcer, mais enfin, elle est partie avec nous à Paris. Et elle ne connaissait rien, elle ne savait rien. Et il fallait qu'elle trouve une école, il fallait qu'elle fasse des tas de démarches très compliquées. Elle était seule, et donc elle ne savait pas quoi faire de nous. Et moi, j'avais plus de 11 ans déjà, et elle nous laissait au Louvre. Et elle disait, on se retrouve à partir de telle heure dans la section des statues grecques. Mais le reste du temps, on était dans le Louvre. Et on était très souvent dans le Louvre. Et j'ai beaucoup vu de toiles comme ça, sans aucune personne qui m'expliquait quoi comprendre. Mais c'était évidemment quelque chose d'inoubliable. Ben, à Locarno, il y a évidemment un décor absolument stupéfiant. Aussi bien Locarno que tout alentour, quoi. Même mon prénom vient de cette zone de la Suisse. Je m'appelle Gianretto Barbet. Ma mère avait décidé de m'appeler Gianretto plus que Barbet. Et maintenant, sur tous mes pièces d'identité, je m'appelle Gianretto Barbet. J'espère que vous allez aimer ce film autant que moi, parce que pour moi, je l'aime passionnément et je trouve qu'il est très important. Alors, si tout le monde est d'accord avec moi, je serai très content.